Restez avec nous sur Radio J, bien sûr, une édition consacrée à l'actualité en Israël. Et l'actualité de ce matin, c'est cet accord, un échange sur la libération des otages. On va revenir évidemment sur cette actualité et sur toutes les questions liées au conflit en Israël. Avec notre invité Dov Maimon, directeur de recherche au Jewish People Policy Institute de Jérusalem et spécialiste des questions identitaires. Bonjour Dov. Bonjour Ilana, bonjour chers auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors oui, on va parler de la libération, de cet accord de libération des otages, savoir ce que vous en pensez. Mais pour revenir sur ce 7 octobre qui a créé un traumatisme d'Ov au sein de la population israélienne et au sein de la population juive de diaspora également, la notion de refuge finalement a été profanée ce jour du 7 octobre. Et vous écrivez justement, depuis cette date, les Israéliens ont changé de perspective et dans une certaine mesure les juifs de la diaspora également. Il y aura un avant et un après cet octobre d'Ov pour les juifs. Oui, en effet, le 7 octobre a été un tremblement de terre parce qu'on d'abord tous les juifs du monde voyaient en Israël un refuge. On pensait que le pogrom de Kishinev ne se reproduiserait plus dans notre terre retrouvée, notre patrie ancestrale retrouvée. Et puis les choses sont passées différemment. Donc on a évidemment un profond changement et ça a changé notamment pour beaucoup de populations. Donc dans le monde entier, on a été tous sous le premier choc qui a été pendant les premières semaines, on était tous traumatisés, on était incapables de parler. Et puis on a eu un deuxième choc, on a vu la réaction du monde autour de nous, souvent des gens autour de nous ne voyaient tout simplement, on pouvait plus parler, c'est-à-dire le monde, les masses sont tombées tout à coup, on voyait les gens qui nous soutiennent, ils sont venus nous voir à la boulangerie ou ailleurs, qui sont venus nous dire on est avec vous, et ceux qui ont été soit indifférents, soit antisémites, tout à coup les choses sont transformées. Maintenant, ça a été très important. Maintenant, ça a eu une implication sociologique très importante pour la société israélienne. La première réaction était évidemment, on est une communauté destinale, tout le monde s'est senti participant d'une même société. Pendant un an, la société israélienne était véritablement polarisée, était vraiment coupée en deux. On avait d'un côté les gens qui voulaient un état des juifs et d'autres qui voulaient un état juif. Et tout à coup, on a compris que face à nos ennemis, j'ai un ami à moi qui était sur le front de Maglan le premier jour, il m'a écrit, écoute, je me rends compte que nos différences, mais on a fait des manifestations les uns contre les autres, mais sur le front, au moment où on a dû combattre le Hamas, on a compris que nos différences étaient infinitésimales. Mmh. Et en fait, face au monstre qu'on a en face de nous, notre projet civilisationnel est évidemment un projet partagé. Donc on a senti tout ça, et avec le débat sur les otages actuellement, on est en train de revoir, évidemment, inévitablement, au bout d'un mois et demi, la démographie israélienne étant ce qu'elle est, la sociologie israélienne étant ce qu'elle est, on se retrouve avec une situation qui va réapparaître. Finalement, les tensions au sein de l'Israël ne vont évidemment pas disparaître. Le fait qu'il y ait un changement démographique de plus en plus de juifs religieux, le projet du sioniste à la base est un projet laïque qui devient de plus en plus religieux, les choses vont apparaître. Et au niveau de la question des otages, c'est un premier test. Je vous donne tout simplement le grand rabbin d'Israël, Sepharad, a dit, en fonction de ce qu'a dit son père, et le Rav Yitzhak Yosef a dit, il faut accepter cet accord, et le Rav Dov Lior de Hevron, qui représente la voie radicale parmi les gens qui habitent en Judée-Samarie, a dit, il faut absolument, au nom de la Torah, interdire cet accord. Donc même la Torah, finalement, se trouve divisée par des camps politiques, quelque part. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, Dov Maimon, justement, de la libération de ces otages? Alors c'est vrai que ceux qui sont contre cet accord disent que cela permettra au Hamas de se réarmer. Peut-être que ses membres pourront fuir en Égypte, au pays, aux alentours de l'État d'Israël. Vous dites, vous, justement, aujourd'hui, Israël doit, pour assurer la paix mondiale, impérativement anéantir le Hamas. Alors qu'est-ce que vous pensez de toute cette situation ce matin? Donc, je vais expliquer pourquoi Israël doit anéantir le Hamas. Je suis pas le seul. Même j'ai vu que Michel Houellebecq le dit en France. Donc, c'est assez clair pourquoi Israël doit anéantir le Hamas. C'est que la force d'Israël face l'intérêt d'Israël comme partenaire stratégique pour l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et les accords d'Abraham, c'est parce qu'Israël est fort et capable de détruire ses ennemis, parce que ces pays-là n'ont pas confiance dans les États-Unis qui ont abandonné le Vietnam, l'Afghanistan ou Taïwan. Et donc, ils ont plus confiance en Israël qui a des intérêts très forts et des convergences d'intérêts face à l'Iran. Donc, ces gens ont besoin de voir Israël fort, sinon on va perdre notre intérêt stratégique. Passe aux États-Unis, pareil. Les États-Unis sont venus avec des porte-avions à la fois pour contenir l'Iran, mais aussi pour contenir Israël, qu'Israël n'attaque pas, parce qu'en période électorale de novembre 2024 pour
pour Biden. On ne veut surtout pas de, on veut surtout pas beaucoup de morses chez les Américains qui feraient évidemment tomber Biden. Donc, ils ne veulent pas qu'Israël attaque le Hezbollah, ils veulent pas qu'Israël attaque l'Iran. Et en Israël, on pense pas forcément, les mêmes intérêts sont pas toujours convergents avec les Américains. Mais encore une fois, si on gagnait, alors les Américains seraient très contents. Donc, face au monde entier, pour les Juifs d'Israël, évidemment, si on n'anéantit pas le Hamas, personne ne voudra habiter dans le sud d'Israël, personne ne voudra habiter nulle part en Israël, on aura tous peur. Et à la fin de cette guerre, on pourrait avoir une grande crise de Yerida ou une grande crise de Aliya. Les Juifs pourraient quitter le pays ou pourraient tous venir, beaucoup de Juifs pourraient venir en Israël parce qu'on se rendrait compte de la force d'Israël. Donc après, un peu comme la guerre de 67, c'est un nouveau défi pour l'État d'Israël. Par rapport à ma position sur les otages que vous me demandez, écoutez, moi je suis un chercheur, j'ai mon avis personnel, j'ai mes enfants sur le front, évidemment, je pense les choses avec mon avis personnel et il n'a pas beaucoup d'importance. Ce que je peux dire, c'est que nous n'avons pas tous les éléments, nous savons pas, il est évidemment, c'est ce qu'on doit demander, ce qui a été demandé par différents ministres, nous voulons savoir ce que l'armée pense de cette trêve, plus que notre but est d'anéantir le Hamas. Il est important que cette trêve ne devienne pas tout simplement une façon où nos soldats qui sont tombés jusqu'à présent sont tombés pour rien si on n'arrive pas à anéantir le Hamas. Donc c'est ça, on doit évidemment retrouver chaque personne, on se réjouira de chaque femme, de chaque homme qui va être libéré. Il est fondamental, c'est dans nos valeurs, c'est dans notre ADN, c'est dans notre logiciel fondamental depuis l'époque où Binyamin a été kidnappé par Joseph dans la Bible, depuis qu'on a eu des otages, que Abraham est parti sauver Lot qui avait été pris en otage. C'est une histoire qui nous est très ancienne, cette valeur de chaque individu. D'un autre côté, la loi juive nous dit clairement et qu'on ne doit pas racheter un otage plus que son prix parce que sinon ça détruit le monde. Et donc, il faut faire très attention à faire ce qu'on fait. Je fais confiance à notre gouvernement. On n'est pas dans la mesure actuellement de mettre en cause le gouvernement dit de ses décisions. Nous devons être tous unis derrière, que ce soit les Juifs en Israël ou en diaspora. Nous avons un même combat et ensuite nous ferons des commissions d'enquête et nous verrons qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre, qu'est-ce qui s'est passé pour ces otages. Pour l'instant, nous n'avons pas toutes les informations. Je pense que ce serait une erreur de tirer nos avis personnels. En vérité, tout le monde, les avis sont connus de tous. On sait tous très bien pourquoi c'est bien d'avoir ces otages. On sait tous très bien quel est le danger de cette trêve qui deviendrait une deuxième trêve. Ceux qui veulent un cessez-le-feu réellement, ça c'est plus important à comprendre. Ceux-là sont pas les ennemis, sont pas les amis du peuple juif, sont pas les amis de l'humanité. Parce que si demain Israël n'arrive pas à éliminer totalement le Hamas en Israël, le Hamas sera aux portes de Paris. Le Hamas, il est aussi dans les banlieues françaises. Le Hamas, il est aussi dans les banlieues londoniennes. Ça veut dire que c'est les islamistes du monde entier regardent ce que fait le Hamas. Alors, et si le Hamas réussit, alors ils vont vouloir faire la même chose dans leur pays. Alors, vous parlez d'anéantir le Hamas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de critiques disent qu'on ne peut pas anéantir le Hamas, puisque le Hamas, c'est aussi une idéologie. C'est aussi un groupe qui porte ses idées en dehors de l'État d'Israël. Alors, est-ce que c'est vraiment possible d'anéantir un groupe terroriste comme le Hamas? Bon, on est dans une guerre asymétrique, donc c'est évidemment compliqué. Maintenant, il faut savoir que les chercheurs français, les grands généraux français qui ont parlé dans les médias les premiers jours ont tous dit « Israël rentrera dans un bourbier, ça va être comme le Vietnam, ça va être comme le Liban, Israël ne pourra jamais rien faire, va s'embourber, ils ne pourront plus jamais sortir, etc. On risque que le Hezbollah attaque, en même temps l'Iran attaque. » Israël a fait ses calculs, a fait des calculs plus précis, ils sont sur le terrain et ils ont décidé de rentrer et on n'a pas vu ce qui est arrivé. Grâce à Dieu, on a eu beaucoup de morts, on a 50-60 morts, mais ça n'a rien à voir avec ce que les gens parlaient de milliers de morts. Donc pour l'instant, les choses sont pas comme les grands analystes qui connaissent toutes les théories au monde mais qui n'ont jamais rien compris. Donc on ne fait pas confiance aux grands spécialistes dans ce genre de choses. On fait confiance aux gens qui connaissent le terrain et qui savent comment agir. Donc oui, on peut anéantir le Hamas. On peut tout à fait arriver à une situation où on aura bon, évidemment, en Israël, le plus grand débat aujourd'hui, c'est le jour d'après. C'est le débat qu'on a dans tous nos débats, dans tous nos forums de chercheurs. Alors, on peut tout à fait imaginer la situation où, comme Arafat à Beyrouth, va se rendre avec un drapeau blanc et il va prendre la route pour le Qatar. Donc, le Hamas pourrait faire ça et être totalement détruit. On pourrait détruire totalement. On pourra voir ce qui s'est passé pour le Hezbollah qui a eu peur pour l'instant d'attaquer Israël en se disant que la population libanaise lui dit, écoutez, vous nous avez détruit notre pays et c'est eux qui pourront, c'est selon que les Palestiniens qui pourront détruire le Hamas, que le Hamas ne sert pas les intérêts des Palestiniens. Ils peuvent le comprendre. Il leur a détruit leur pays. Il sert les intérêts de l'Iran, qui est prompt à sacrifier les enfants palestiniens
pour à faire avancer ses intérêts régionaux. Il faut savoir que le Hamas ne sert pas, ne veut pas la paix. Le Hamas ne veut pas les intérêts des Palestiniens. Le Hamas a des intérêts qui sont des intérêts de l'islamisme mondial. Ça n'a rien à voir avec les intérêts des Palestiniens qui, eux, voudraient peut-être vivre tranquillement. Donc oui, on peut anéantir le Hamas, c'est techniquement possible. Il va falloir le faire, il va falloir y arriver. Israël, vous comprenez bien ce qu'il est en train de faire. On a encerclé le nord et puis on va avancer vers le sud, on va encercler le Hamas et on va le détruire, c'est tout. Je ne crois pas qu'il faut faire des grandes théories, c'est pas possible. Vous savez, les Français ont souvent pensé les avions ne décolleraient jamais parce que les avions pèsent plus lourd que l'air, alors ils sont jamais inventés d'avions. Et c'est les Américains qui n'ont pas réfléchi comme ça et qui ont pris des avions et qui ont commencé à décoller. Donc il faut, les grandes théories, elles sont bien, mais en vérité, la réalité est bien plus forte. Il faut d'abord essayer, il faut y arriver et il faut regagner la force de dissuasion israélienne. C'est pour l'intérêt d'Israël, de l'humanité, du peuple juif. Merci beaucoup, Dov Maimon, en tout cas, pour ces précisions, ces explications ce matin. Je le rappelle, vous êtes directeur de recherche Jewish People Policy Institute de Jérusalem et spécialiste des questions identitaires. Merci beaucoup, Dov. On vous retrouve très bientôt sur Radio J.